Bonjour peuple en haie. Je sais pas si je suis le premier à le faire, je sais que Bidule va faire une vidéo dessus. Donc ça s'appelle Extra Case. Vous avez un affiliate, le code c'est Roquenard. Vous avez 40 centimes gratuits à chaque fois que vous le mettez. Vous pouvez ouvrir une petite case gratuite comme ça, genre Bullet Case, tu vois. Bref, on va commencer. C'est la case que vous avez gratuitement en vous inscrivant sur le site, ok? Donc on va l'essayer. C'est pas fluide quand ça tourne. Je sais pas si c'est normal. Peut-être parce que j'en ouvre 3. Que de la merde. Que de la merde, ok. La zombie case, 1$. On peut avoir un flip knife Doppler à 0,01% de chance. Que de la merde. Après, qu'est-ce qui nous prouve que ces pourcents de chance sont des vrais? Parce qu'il n'y a pas de probabilité de faire ou quoi. Ah, y a rien. On va essayer la case AK. Je vais en ouvrir 3. Par contre, ça c'est pas cool. Hein. Je vais relancer le navigateur. Tu rigoles. Ok, on va ouvrir les cases AK. Hein. Ça, je suis pas satisfait du tout. Ah, bah un petit peu de bénéf au moins sur celle-là, tu vois. Covered case, covered case. Et si j'en ouvre une, est-ce que ça lag? Alors, si j'en ouvre une, ça lag pas. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la covered? Gros, gros, gros. Non, je réessaye. Je réessaye. Non, mais c'est quoi ça? C'est quel genre de délire? Pourquoi elle me fait déglinguer comme ça? Non, mais ton respect, un petit peu. Bon. Après, c'est normal, c'est un site de case opening. Ça m'a l'air plutôt legit pour l'instant, étant donné que j'ai rien vu d'anormal. Oui! Ah! Ah oui! Sur ce site, il y a un truc qui est bien. C'est que tu peux avoir des coins gratuits. Tu mets mon affiliate là déjà. Tu mets Roquenard, t'as 40 centimes. Ok. Ensuite, t'as dans les rewards, t'as des trucs. C'est genre, par exemple, visionner une vidéo, tu vois. Ou télécharger une appli sur mobile. 3,5 centimes gratuits si tu. Tu fais quoi? Je sais pas. Tu mets de la merde. C'est vraiment n'importe quoi ça. Bon, tu peux le faire, mais c'est long. C'est long et c'est chiant. À quel moment? Gare, 26%, je vais avoir la Safari Mesh. Non, gare meilleur, ma couille. Ah non, plus de Viper. Bon, je vais réessayer. Ah, les pourcentages de chance, c'est quand même de la merde. Hein. Ah. Bah voilà du bénéf, putain. J'avais combien de pourcents? 1,5. Ah ouais. C'est rare que je perde sur un site de case opening parce qu'à chaque fois j'arrive sur un site de case opening, je m'attends à ce que ce soit truqué. Et là? Non, là ça m'a pas l'air truqué. Hein. Bizarre. J'avais entendu dire qu'il l'était pourtant. Ok, reste 466$. C'est quoi? On a beaucoup de thunes. Hein. On va pouvoir commencer à se faire plaisir. On va ouvrir les grosses caisses. Ça se trouve c'est dans les grosses caisses que je vais faire les bails. 15$. Alors 15$. Wow, pas mal. On réessaye pour 15$. On peut réessayer. Oui. Oh, c'est naturel. Mais continuons, continuons. C'est naturel tout ça. Oui. Ok. Allez, on va faire une petite pause là. On reviendra peut-être après. On va essayer la knife case. Ah, attends. La Darth Vader case, on l'a pas faite encore. On va essayer. USP néo noir à 0,1, tout ça. 0,1, c'est pas dur. 5$ à la case, elle coûte 10. Moi, je réessaye. Ah. Donc là-dedans, on a 65%. On a... Quoi? Mais attends, on a à peine 6% de chance d'avoir des gants. Mais c'est quel genre de case irrespectueuse? Moi, je m'en fous, j'essaye. Je suis là pour le beau jeu. Je suis là pour le beau jeu. Je veux des gants. Comment se faire niquer 64$ rapidement? Knife Case qui propose tous les knives de merde jusqu'au flip knife ultraviolet, je crois. Ok, on va essayer. On va essayer la Knife Case. 70$. Je vais me faire fister. Je vais me faire cool. Regarde bien. Je réessaye. Mais... Je revends et je réessaye. Foutage de gueule. Je vais vendre deux items et je vais essayer la VIP Case à 220$. C'est vraiment une case de merde. Hein. Une case de merde. Elles sont pourries les cases sur ce site, je te jure. Mais je vais... J'ai cliqué. Oh mon dieu. J'ai vraiment cru que j'allais avoir quelque chose de très insane, mais non. Il me reste 25$. Ok, donc j'ai perdu... 200$. J'ai fait 200$ de déficit. Si j'arrive à me rattraper... ce serait marrant. On va réessayer. Ouais, c'est pas très naturel, ça. Allez, hop, c'est vendu. 13$, il reste. On va essayer l'AK. Non, y a rien. On m'a dit cette case elle était marrante. Quoi? 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 Il est où le respect frérot? Frère? 0,05% de chance d'avoir la cave Bloodsport. Alors je t'explique un peu. Quand on va en cours,
0,05 fois 0,05 fois 0,05, 0,00125% de chance de l'avoir. En d'autres termes, une chance sur 100 000. Une chance sur 100 000. Bah voilà, enfin, le site, il me montre qu'il est pas très Charlie. On est remonté à 515. Il loue le respect, Zinc. Alors, on va voir si le site me laisse withdraw et combien vaut vraiment cet inventaire. Dès que j'appuie sur withdraw et que le skin n'est pas là, le skin est manquant, apparemment, il va l'acheter dans 5 minutes. Donc je vais quand même laisser la vidéo tourner et puis on se retrouve dans 5 minutes environ. Bon bah ça fait à peine 2 minutes et j'ai pu prendre une AK. Dépêche-toi, sinon tu vas recevoir un coup de savate, mon rey, dépêche-toi, mon rey. Dépêche-toi, wow, dépêche-toi. Ah, voilà, ça met environ une minute. Et c'est quoi le respect? Mon flip knife floor là? C'est le très beau skin ça. Ça c'est beau ça. Tu donnes! Mais donne-moi le skin! Il est là! Et il vaut plus, oui. Oui, naturel, oui. Oui! Quoi? Bah, il y a où le respect? Bon, au final, on s'est fait un peu féniquer. C'est pas la même source des prix après. Je pense qu'au niveau des prix, ce site ne va pas trop mentir. En tout cas, si vous gagnez 50$ et que vous sortez avec 48, vous allez pas gueuler. Enfin. C'est chiant quand même. Hein. Ce genre de site, je ne vous les conseille pas. Ces vidéos, c'est juste du spectacle. Néanmoins, si vous voulez jouer, utilisez mon affiliate qui vous donne 40 centimes. Vous pouvez essayer le site. Par contre, je sais pas si vous pourrez withdraw direct. Il y a un giveaway en même temps, tu vois. On fait les choses bien. Je vous offre un Fashion Knife Urban Masked. Oui, oui. Bref, peuple, c'était Roknar et on se retrouve bientôt. Lâchez votre like si vous aimez bien les case opening avantagés. Car ce case opening, il était très... avantagé. Il était naturel, oui.